Bonjour Gisèle. Alors bonjour. Pour célébrer notre première rencontre, je te propose une interview première fois. D'accord. Tes premiers pas en France? La première fois que je suis venue en France, c'était en 2005. Et j'ai voulu m'inscrire dans un cours de danse ici. Et pourquoi tu t'es dit la France? Parce que j'ai une maman très amoureuse de la France qui m'a donné mon nom Gisèle, qui c'est un nom français. Comme elle était prof, elle lisait beaucoup des profs de portugais, elle lisait beaucoup des romans français. Et dans les romans français, elle a trouvé mon nom Gisèle et de ma sœur Gislaine. C'est très très français. Et on voit le tatouage? Ah oui, c'était pour un chéri. Mais la France m'a beaucoup donné, m'a donné beaucoup de choses encore et c'est pour ça que je fais ce tatouage. Et ton premier chagrin d'amour? C'était mon dernier chéri. Celui-là alors? Ouais, mais c'est oublié déjà. Ah, c'est oublié là? Ouais. C'est fini, t'as quelqu'un d'autre? Ouais, mais ça fait longtemps, cette histoire. Et ta première télé en France? C'était L'Île de la Tentation. Et ça, comment t'arrives là-dedans? Je venais d'arriver à Paris, je marche dans la rue, une femme m'a arrêtée et m'a dit « Est-ce que vous voulez faire une émission ?» Nanana, elle m'a raconté l'histoire. Tu connaissais pas? Je connaissais pas, je parlais même pas français et je dis « C'est où ?» Non, c'est pour passer des vacances au Mexique et tout ça. Bah ok, allez-y, il faut jouer la comédienne, comment ça se passe? Maintenant, avec le recul, tu l'aurais pas fait? Non. Non, mais de toute façon, c'est mon histoire et je ne la regrette pas du tout. Après, je rentre au Brésil. J'étais appelée pour faire Big Brother au Brésil. Ça, c'était en 2008. Après, ma carrière a vraiment marché. J'ai pu réaliser tous mes rêves d'enfance. Là-bas au Brésil, de faire des telenovelas, d'acheter la maison de ma famille. Vraiment, ça, c'est là où tout a changé dans ma vie. Et la première fois que tu as rencontré Cyril Hanouna? La première fois, c'était entre les amis en commun, dans un café. Il a dit « Gisèle, je t'aime bien, je te kiffe ». Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour d'un café. Et là, on te voit moins dans TPMP? Oui. Tu vas revenir? Non, pour le moment, j'ai choisi. En fait, en ce moment, je travaille pour une émission qui s'appelle « Que Beleza », qui est produite par Thierry Ardisson. Et c'est aussi rigolo parce que on parle avec des artistes, on rentre dans le côté un peu beauté. D'accord. Des secrets beauté, des artistes. Et comme ça, on le voit où? On le voit sur Internet. Et c'est moi qui ai eu le concept. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu businessman, entre guillemets. Il faut suivre ce qui nous fait plaisir, quoi. Et ta première couverture de magazine? C'était Playboy, au Brésil. Au Brésil? Oui. C'était quoi ça? En fait, c'était en 2008 et moi, je ne voulais pas accepter parce que ma famille est très catholique au Brésil et tout ça et ce n'est pas cool. Mais en fait, plus je disais non, plus elle montait dans le cachet. Et en tout cas, les photos sont magnifiques et c'était vraiment ma première couverture et ça a beaucoup marché. C'est beaucoup vendu et je suis hyper contente de ce travail. Et ton premier million? Mon premier million? Oui. Playboy. Million, carrément? Bah oui, en brésilien, oui. 400 000 euros. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Et avant de terminer, on aime bien que les personnalités fassent leur autoportrait. Je vous fais un dessin quand j'étais enfant. Je ne sais pas si je vais arriver à faire. Mais je ne sais pas me dessiner maintenant, mais je m'imagine comme ça encore. Un petit enfant avec ses cheveux là, beaucoup de cabellos. Avec un gros sourire comme ça. Tout le temps le sourire? Et beaucoup de dents. Et tout espacé comme ça les dents? Oui. C'est parce que c'est pas le cas là maintenant. Non, parce que j'ai mis 5 ans d'appareil dentaire. Oh, on dit une sorcière. Pas du tout. Et là, donc, c'est toi, t'as quel âge? Une dizaine d'années? 10 ans. Et une toute dernière chose avant de te laisser partir, un petit selfie, si t'es ok. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Gisèle. De rien. Ciao. Ciao. Beijos, Gisèle. Beijos, c'est des bisous.